Salut, c'est Bob. Il est 7 heures du matin à peu près. J'ai peu dormi, je me réveille avec beaucoup d'énergie. Et je ne crois pas que je vais me recoucher maintenant que j'ai ouvert le poulailler. En fait, je pense à quoi là? Eh bien, hop là, tadam! Ça, ce sont les seaux d'argile que j'ai remontés du forage que je suis en train de faire. Et donc, tadam, à l'endroit où j'avais déjà construit une sorte de micro-four en torchis, eh bien je vais en refaire un autre. Pas spécialement un four, plus une sorte de cuisinière en torchis. Comme ça, je pourrais économiser le gaz. Le thé est en train de chauffer. S'il y a du thé, tout va bien. Charlie s'égosille. Et à peine ai-je ouvert les yeux que déjà ma cervelle travaillait. Et puis mes énergies aussi. 2020 est une drôle d'année. En tout cas pour moi. Pour d'autres aussi, je présume. Je ne sais pas si la coïncidence avec l'arcane majeur 20, le jugement du tarot de Marseille est en lien. Enfin, ça, c'est une de mes précieuses théories que j'ai depuis ouf, au moins ça, 3 décennies. Et que, en effet, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se scinde en moi. Il y a une partie qui pourrait sombrer dans l'angoisse et la folie mondaine. Et bon, pour moi, le diable et le monde sont une seule et même chose, hein. Peu importe, hein. Quand je dis diable, ça ne veut pas dire qu'il existe une entité qui porte ce nom, c'est plus une sorte de champ de force que nous nourrissons, nous, humains, depuis des milliers d'années. Et puis donc, de l'autre côté, il y a une sorte d'épanouissement au-delà du monde, ou en deçà du monde, dans quelque chose de plus, comment dirais-je, immatériel, indifférencié, et surtout non mental. Et ces énergies libérées du mental produisent des effets étranges. Paix, amour, compassion, joie. Et depuis quelques semaines, cela me travaille davantage, comme si les circonstances terribles du moment, avec ce virus et tout ce qu'il réveille chez nous en fait, de beau ou de laid, c'est une période à mettre à profit. Ou pas. Après, je crois aussi que nous sommes parfaitement libres, que le bien ou le mal, ce ne sont que des polarités qui permettent à la grosse bobine de l'univers de continuer de tourner. C'est-à-dire que si l'un des deux pôles maîtrisait l'autre, eh bien la bobine cesserait de tourner. Et donc, boum, plus rien, plus d'univers. Bon, ça fait plusieurs jours que je fais des vidéos et que je ne les poste pas, parce que tous les jours je suis en mode comme ça, philosophe, super yogi qui travaille sur ses énergies, ou plutôt qui se laisse travailler par ses énergies. Bon, bah, je suppose que celle-ci, je ne vais pas la poster non plus. Bon, bah, au cas où, prenez soin de vous, restez à la fois léger et conscient. Ne laissez pas la folie du monde et de ses maîtres vous asservir davantage par la peur. Et puis, même si vous n'avez pas peur, ça je vous le souhaite, ce n'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi. Donc, soyez sans crainte, mais soyez responsable.
Ciao les humains.